J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'ai vaincu le sablier, les secondes du grave. Yo yo les dragons, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, épisode 4 de Road to Dunk à plus de 35 ans. Et oui, là je vlog aujourd'hui, Louis n'est pas là. Donc ça sera une vidéo différente, un entraînement différent. Donc le deuxième entraînement que je fais de ma semaine où il y a moins de pliométrie, je vais vous le montrer aujourd'hui. Donc vu que Louis n'est pas là et que on peut pas faire la vidéo comme d'habitude, comme dans l'épisode 1, 2, 3, et ben je me suis dit je vais la faire en mode vlog cette fois-ci. Comme ça je vous montre un peu ce que je mange le matin, etc. Parce que là on est le matin, enfin le matin, il est 10h30, donc ça va. J'ai quand même bien dormi. Donc là je me réveille et je vais vous montrer ce que je mange. Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont liké et partagé les premiers épisodes, premier, deuxième et troisième. Donc faites pareil pour celui-ci, je vous invite à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et activer la cloche, ok? Et partager bien sûr. Et pour les nouveaux, bienvenue à vous, je vous invite à regarder les premiers épisodes. Comme ça, vous allez comprendre mon objectif, etc. D'où je pars, etc. Donc voilà, donc là je vous montre ce que je mange, on est le matin. Ça reste simple, alors... Là, ici, il y a 4 œufs, il y a un panier complet toasté, une banane, la petite Monster, la carnitine. Et là, c'est ce que je vais mettre sur le pain complet, la protéine choco de QNT. Donc là, vous avez moins 20% avec le code DRAGON chez qnt.fr. Ok, voilà. Boum. Ce que je fais le matin, c'est que je mets toujours la télé et je regarde des clips musicaux. Ok. Là, c'est un petit clip de Her. Ça me détend en fait, ça me réveille tranquillement. Je me réveille tranquillement, j'écoute du son. Voilà. Et je mange mon petit déj. Et j'ai toujours le Mac à côté. Hein. Là, je suis en train justement de charger la prochaine vidéo. Donc, l'épisode 3 que vous avez dû voir. Donc, ça met du temps. Je suis qu'à 10%, c'est chiant. Parce que là, où j'habite, eh ben, il n'y a pas la fibre. Avant, j'avais la fibre où j'habitais. Mais là, vu que j'étais ménagé il n'y a pas longtemps, eh ben, là, je n'ai pas la fibre. Voilà, là-bas la petite plante ça s'appelle Vira. Voilà. Yo, bon, je suis arrivé à la boxe CrossFit, CrossFit Réville. Donc là aujourd'hui je vais faire l'entraînement avec Achit qui est au fond là-bas. Donc c'était pour vous dire que je vous ai pas dit tout à l'heure mais franchement les entraînements commencent à devenir intenses et je commence à avoir du mal à assumer. Après pas assumer au niveau de la motivation, de la force etc. C'est plus au niveau des douleurs. Donc voilà j'ai plus 20 ans donc c'est à dire que je commence à avoir des douleurs au genou. J'ai plus de mal à récupérer même si je fais pas mal de rouleaux de massage etc. Donc j'ai du mal. Surtout à cause de la pliométrie. Et ben franchement mes genoux ils prennent un coup. Du coup bah on va essayer avec lui de renforcer un peu plus ses ischios. Ok. Et puis voilà. Donc. Mais bon je vais pas lâcher l'affaire. Hein. Je vais quand même essayer de pas me blesser. Mais je vais y aller tranquille. Donc là je dois mettre des charges. Je vais pas mettre des charges lourdes, ok. Enfin je vais mettre lourd comme je peux, mais si je sens que j'ai trop mal, je force pas. Le plus important, c'est de continuer le processus de progression et de ne pas se blesser. C'est ça qui est important. Surtout à mon âge, c'est délicat. C'est un exemple, genre par exemple, à mon âge maintenant, même si voilà, je suis en forme, etc. Je vais pas assumer le fait de jouer toute une journée. Je vais pas assumer le fait de jouer toute une journée au basket sur le playground, faire 3, 4, 5 matchs et le lendemain enchaîner. Alors qu'avant, quand on est jeune, quand on a 16, 18 ans, 20 ans, on peut enchaîner pendant 2 jours, jouer tout le temps, toute l'après-midi. Et pas spécialement avoir de douleur. Bah moi franchement le lendemain d'une après-midi basket ou de foot, j'ai déjà fait des arenas soccer par exemple, et ben je suis mort, j'ai du mal à récupérer. Et ça c'est là qu'on voit que bah, c'est la vieillesse quoi, les tendons, les os, tout ça. Voilà, mais bon, on fait avec, moi je peux la faire. Donc là, c'est parti, je commence l'entraînement et je vous montre en image. I'm a puppeteer. Writing in my book of rhymes.
rhymes, writing in my book, book, book of rhymes, writing in my book of rhymes, rhymes on, writing in my book of rhymes on, it's all the words past, writing in my book, rhymes, rhymes, writing in my book, book, book of rhymes, writing in my book of rhymes, writing in my book of rhymes, all the words past the margin. Bon dragon, échauffement terminé, gamme terminée. C'est une chose que je fais à chaque début d'entraînement, ok. Donc là maintenant, premier exercice, dev jump. En fait, on est sur une box et on atterrit et on doit rester stabilisé, ok. Vous l'avez déjà vu dans le premier épisode. Bon les dragons, là c'est parti pour le squat. Squat Super 7 avec Jump Box. Donc, je voulais dire un truc par rapport au squat. Ça fait depuis le confinement que j'en ai pas fait. Donc, le dernier entraînement que j'ai fait à Cheat, je crois que c'était à Fitness Park, on a fait une vidéo. Et je faisais des séries de 5, du 5x5 à 120 assez tranquillement. Sans, en forçant, mais ça allait quoi. Et du coup là, depuis que j'ai repris le squat, je galère de ouf. Et j'ai aussi décidé de changer de méthode. Parce qu'à la base, moi je fais le squat en low bar, c'est-à-dire barre basse, pour pouvoir avoir plus de force. Mais quand on met la barre haute, là c'est très dur, c'est plus dur que le low bar. Du coup moi j'ai décidé de reprendre en barre haute pour bien taper sur les quads, etc. Pour mon jump, hein. Donc c'est mieux que je fasse barre haute. Et là la reprise, je galère. Première fois que j'ai refait du squat, j'ai fait du 5x5 à 80 kg et j'en ai chié. Donc je suis monté à 90 kg la semaine d'après. Donc là je dois faire des séries de 4, je vais peut-être mettre 90 ou 95, je sais pas, je vais voir. Et franchement, j'ai perdu au moins 20 à 30 kg, 40 kg sur mes charges, c'est énorme. Mais bon après j'en ai pas fait depuis longtemps, mais je vais essayer de reprendre tranquillement et en gardant la barre haute. Bon, là mes séries là au squat, j'ai mis 95 kg. Donc je vais rester sur ce poids là, 85% de mon max entre guillemets pour 3 reps. Ok. Donc j'en chie quand même là, je suis plus à 85%, j'ai à 90. Et après je vais sauter ça. Donc là en gros, ça cette longueur c'est 60 cm, en dessous c'est 50, donc ça fait 1m10. On va rester là-dessus, je sais pas si je vais tenter plus parce que juste après le squat c'est dur quand même.
j'essaie d'augmenter, non? Voilà! 40 piges, ils sont encore à 1m10. Talon d'Achille brisé. Voilà, c'est dans la tête. Je dis quoi? Peur. Je connais pas la peur. I don't know fear. I don't know. Yeah, no when fear. When I heard game it, I'm a dog. No, that's you, because you never dunk anything. Let's go. 1m20. T'as pris trop de temps là, allez. Easy. Easy. Ok. Faut savoir apprendre à se casser la gueule, ok? Parce que j'ai parlé, je refais. J'étais là en plus ça. Hein. J'ai accroché au deuxième pied. On va se calmer, on va se dire les gars, j'espère que vous avez bien rigolé pendant la vidéo. Mettez un like. Bon, je me suis un peu enflammé. Hein, parce que j'ai réussi le premier, j'étais excité. Et après le deuxième, troisième, tout ça. Pas de conviction sur le dernier où je me suis un peu cassé la gueule. Mais c'est, je crois que c'est mon deuxième pied qui a raccroché alors que j'ai le jus pour sauter dessus. Mais voilà, j'ai... Trop excité, trop d'adrénaline. Mais en tout cas, je suis content que je les ai passés. C'est cool. Ça fait longtemps. Hein? Ça fait longtemps. Très longtemps. Et là, on fait du 5x5 en tempo, donc on y va doucement. On contrôle la charge et tout. Bon, séance terminée, CrossFit Réville, je vous montre le coach,
Il est là. On a déjà fait une vidéo avec lui. Exact. Donc on va en refaire une. Allez. Faudrait y réfléchir à quoi. Ça marche. Il est aussi ambassadeur chez QNT. Hein. Vas-y. Cette fois-ci, je vais pas mettre mon code, je vais mettre ton code. C'est quoi ton code? Alex20. Voilà, Alex20, voilà. C'est la même team, la même ville. Donc y a pas de soucis, vous pouvez commander chez lui aussi. Bon les dragons, voilà, séance terminée. Je vous montre ce que je prends. Il y a de la poussière sur l'objectif. Bref, j'espère que ça fait pas de mauvaise qualité. Mon petit shaker. Donc mon petit shaker dedans, il y a de la whey. Ok, là c'est la Light Digest de goût chocolat blanc. J'ai mis 40 grammes avec 5 grammes de créatine et 10 grammes de glutamine. Voilà. Donc je prends ça, je rentre à la maison et je vous montre ce que je mange. Et après je pense qu'on restera là-dessus sur le vlog. Après peut-être que je parlerai un petit peu avec vous, je sais pas, on verra. Allez. Yo les dragons, bon. Voilà, je me suis fait mon petit repas. Donc là, il y a de la patate douce, il y a du poulet, il y a du légume, mon petit Pepsi Max, 0 calories. Donc voilà, je vais manger ça en post-workout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais manger. Je vais me poser devant la télé, peut-être regarder une petite série ou regarder quelques vidéos YouTube. Bosser sur le montage de cette vidéo direct, parce qu'à chaque fois, j'attaque direct les rushs. Ça devrait aller vite, vu que là, c'était plus en mode vlog. Donc j'espère que ça vous a plu, l'entraînement vous a plu. Tout ça, donc comme d'hab, hein, vous likez, vous partagez, vous abonnez si vous n'êtes pas abonné, vous activez la cloche pour les nouvelles vidéos. Donc j'espère que cet épisode-là vous a plu, même si c'était en mode vlog un peu différent, sans lui, etc. Et la prochaine, il sera de retour, ok? Donc un maximum de pouces, merci pour le soutien, parce que vous êtes pas mal à kiffer, franchement, ces épisodes de Road to Dunk. Je pensais pas que ça allait prendre comme ça, je pensais que franchement, il n'y avait pas beaucoup de gens qui seraient intéressés. Mais au final, il y en a, ça fait plaisir. Et vous inquiétez pas, hein, les séances body, tout ça, on en met entre temps avec Joe. Pas de soucis là-dessus. Aussi, on a mis un lien Utip en descriptif. Donc si vous voulez nous donner de la force, vous regardez des publicités, ça nous fait gagner de l'argent. Juste à regarder les publicités, bon, pas grand-chose, hein, c'est des centimes. Mais bon, ça peut être utilisé pour du matos, pour les vidéos, tout ça, pour plein de trucs. Voilà, ok. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis no fake. Just training. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un truc, je viens de recevoir un petit colis et je vais vous montrer un truc, chose qui est important pour des mecs entre guillemets qui sont musclés. Et voilà. Avec des écritures chinoises. Boum. Voilà. Vous savez ce que c'est? Un grattoir pour gratter le dos. Ah, c'était fort. Vu que je suis en manque de mobilité, je vous ai me gratter le dos comme ça. Et ça va venir, je vais bientôt utiliser ma main. Bref, sur ce, je vous laisse là. No fake, just training.